Please be seated. Le président. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. The floor is once again given to Kyu Sampon's defense. La chambre souhaite à présent laisser la parole à la défense to de Kyu Sampon. Your submission. Vous pouvez poursuivre avec votre Please be reminded that you shall respond directly to all Gardez the questions que vous devez and issues raised by the chamber and by chambre. The co-prosecutors. Ainsi que ce qu'ont soulevé les procureurs et les co-procureurs principaux pour les parties civiles. To the four questions, number 6, 7, 8, and 9. Tout particulièrement, vous devez répondre so that aux your questions responses and submissions will be used 6, 7, 8 et 9 basis qui serviront de fondement pour la décision de la Chambre sur les suites à donner à l'arrêt de la Chambre de la Cour suprême. Vous avez maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Pour rassembler un peu mes idées, je voudrais donc très rapidement rappeler que, pour ce qui concerne l'état de santé des accusés, n'est pas de mon ressort de me prononcer sur celui des autres accusés, auxquels je souhaite une longue vie. Mais pour ce qui concerne M. Kyu Sampon, celui-ci ne se sent ni malade ni mourant et pense qu'il a encore un certain temps à vivre. Et c'est pourquoi, à la question de savoir si nous préférerions un procès complet mais inachevé ou partiel mais abouti, eh bien, nous pensons que M. Kyu Sampon survivra à ces deux hypothèses et que ce dilemme qui peut être justifié, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais qui peut être justifié pour d'autres accusés, ne doit pas être opposé à M. Kyu Sampon pour justifier une atteinte à ses droits élémentaires. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé. Pour ce qui concerne la question de savoir si l'ajout de S21, puisque maintenant, à ce point, nous ne parlons plus que de S21 si nous nous référons uniquement à la demande du procureur, bien que celle-ci ne lit pas, eh bien, je, sans plus tarder, me réfère totalement à 100% aux remarques qui vous ont été faites par mon confrère Copé, que nous reprenons intégralement. Sur votre question 6, à savoir ce que sera la position de la défense de Kyu Sampon si vous décidiez d'ajouter S21 en matière de documents qu'il conviendrait de verser au débat, de témoins qu'il conviendrait d'entendre, d'experts. Là-dessus, notre position est très simple. Effectivement, dans le passé, nous avions annoncé que nous n'avions pas de témoins particuliers à faire citer pour ce qui concerne S21. Toutefois, nous nous réservons la possibilité de faire revenir à la barre certains des témoins qui ont déjà été entendus et de solliciter le dépôt de documents et nous allons informer la Chambre très rapidement de nos demandes en ce sens dans le temps de son délibéré. Sur la question 7, qui concerne le point de savoir s'il serait judicieux qu'après un délai de préparation, votre Chambre, composée des mêmes magistrats, entame immédiatement les audiences au fond du procès 002, deuxième partie. Là, je crois que j'ai déjà répondu à cette question avec mon intervention de ce matin. La réponse que nous donnons est négative. Nous ne trouvons pas cela judicieux et je m'en suis expliqué ce matin. Pour ce qui concerne votre question 8, qui rappelle dans un premier temps que
vous n'aviez pas annoncé l'abandon des poursuites des autres chefs d'accusation et que, du fait de la disjonction, et qu'il pourrait faire l'objet de futurs procès, raison pour laquelle vous demandiez au parti quel préjudice ceci pouvait en éprouver du fait de l'absence de calendrier. Je dirais que ce n'est pas tant l'absence d'un calendrier, je l'ai peut-être dit d'une manière un petit peu brutale tout à l'heure, mais ce qui nous importe à nous, ce n'est pas un calendrier. Les comptes d'apothicaire et les prévisions du procureur, je ne sais pas comment il les effectue. Quand ces questions avaient été évoquées en août 2012, le procureur tablait sur 33 jours. Aujourd'hui, on nous parle de 11 jours d'audience. Je ne sais pas si ça tient compte des interventions des parties civiles. Je ne sais pas si cela tient compte de ce que le procureur estime nécessaire comme temps passé par la défense pour contre-interroger les témoins dont nous parlons. Donc, finalement, tout ça est une sorte de recette secrète élaborée dans les bureaux du procureur, mais nous n'en avons pas les tenants et les aboutissants, de sorte que pour moi, ça relève de la science totalement inexacte. Et ce qui est certain, c'est que, à mon sens, ce que la Cour suprême a critiqué dans la succession de décisions concernant la disjonction que vous avez prononcée, ça n'est pas tant l'absence d'un calendrier, mais des problèmes beaucoup plus graves. Et c'est pour cela que cette question me gêne telle qu'elle est posée. Je ne crois pas que je puisse y répondre sans extrapoler un peu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'évoquer tout à l'heure un certain nombre de points qui me paraissent très graves et qui me semblent constituer des atteintes au droit de M. Kyo-Sampan à un procès dans un délai raisonnable et à un respect de ses droits fondamentaux, parce que le problème de calendrier, c'est de toute façon de la cuisine judiciaire, de la cuisine procédurale. Mais ce qui compte, c'est de savoir si les accusés savent pourquoi on les juge et comment on les juge. Il faut bien dire que jusqu'à aujourd'hui, alors que ce procès a commencé depuis un an et demi, nous ne le savons pas. À partir de là, j'en arrive logiquement à la neuvième question. L'incidence de l'annulation par la Cour suprême sur le droit des accusés à un procès équitable et un procès dans un délai raisonnable. Et là, j'ai déjà partiellement répondu à cette question ce matin. C'est pour ça que j'avais le sentiment de répondre, moi, personnellement, aux questions de la Chambre ce matin. J'ai répondu que, à mon sens, pour M. Kyo-Sampan, quelle que soit la décision que vous prendrez, ses droits à un procès équitable dans un délai raisonnable ont été atteints par la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et que vous décidiez d'un procès sur la totalité de l'ordonnance de clôture alors que nous avons commencé une audience depuis un an et demi, ou que vous décidiez d'une succession de mini-procès dans l'intérêt de la justice, ou que vous décidiez d'un procès unique qui soit plus représentatif, mais qui ne serait unique, et encore, je ne leur souhaite pas que pour les autres, mais qui ne serait pas un procès unique pour M. Kyo-Sampan, et j'espère que cela est bien clair, car c'est pour cela que nous ne nous sentons pas concernés par ce choix qui nous semble factice. Les experts médicaux qui statueront sur l'état de santé de M. Kyo-Sampan à la mi-mars nous le diront.
M. Kyusampan est apte à être jugé et il n'est pas concerné par les exigences d'empressement qui paraissent préoccuper tout le monde ici. Alors, réparation de cette situation, eh bien, à mon sens, elle pourrait être double. Nous pourrions, c'est une proposition que je fais, alors je la fais, non pas que je l'ai élaboré très précisément parce qu'il a fallu aller vite, mais nous pourrions et vous pourriez envisager de disjoindre, mais cette fois-ci de disjoindre in personam, c'est-à-dire finalement de juger M. Kyusampan pour la totalité de l'ordonnance de clôture seul, ce qui permettrait que lorsque les autres accusés connaissent des difficultés de santé qui rendent impossible leur comparution devant vous, eh bien, vous vous concentriez sur son procès. Et même si vous décidiez cela, je crois que la logique de mon propos tend aussi vers une réparation qui n'en sera même pas une, mais qui aura le mérite de mettre un terme à une situation qui est inacceptable à mon sens, à savoir le maintien en détention de M. Kyusampan. Nous allons vous déposer dans les jours qui viennent une demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire de M. Kyusampan, parce que nous voyons bien, je l'ai rappelé ce matin, que nous n'avons pas terminé ce procès, même dans l'hypothèse d'un simple ajout de S21, ou même dans l'hypothèse où vous maintiendriez le cap que vous aviez initialement fixé en n'ajoutant pas S21. Nous n'en avons pas terminé avant 3 ou peut-être même 4 ans avant d'avoir une décision définitive. Et il ne me paraît pas normal qu'un homme de 82 ans présumé innocent reste 8 à 9 ans dans l'attente de son procès. Et donc je vous annonce aujourd'hui le dépôt de cette demande de mise en liberté qui ne changera pas le préjudice subi par mon client, mais bon, qui lui permettra à son âge au moins d'attendre sereinement votre verdict. Est-ce que vous voulez, Monsieur le Président, que je réponde? Ah, mais ce sera peut-être en fait prioritairement les procureurs et les parties civiles. J'allais vous proposer de répondre aux questions du mémo supplémentaire. National Council for Kyusampan, you may proceed. La parole est maintenant à l'avocat cambodgien de Kyusampan. Counsel, thank you, Mr. President. Maître Kondsamon. Good afternoon, Mr. Merci, President. Monsieur le Président. Bon après-midi. Everyone Mesdames, and Messieurs les juges, je salue tous ceux et celles au prétoire et aux alentours. I would like to supplement to what has been stated by my J'aimerais colleague. Ajouter quelques points à ce que mon confrère vient de dire. I fully support the statement and submissions made by my colleague. J'appuie pleinement la position avancée par mon confrère dans son intervention. The trial chamber's servant's order, as we all know, is no longer valid, as it has been annulled by the decision of the SCC. N'est plus valable car elle a été annulée par un arrêt de la Chambre de la Cour suprême. This means that we virtually start the case anew. Ce qui veut dire. But why do we have to hold today's proceeding? Per the trial chamber's instruction, this is an attempt to correct the errors made in la the servant's order. Cette semaine, et l'occasion or we can simply say de to remedy the servant's order, which had some mistakes. Certes, l'améliorer car elle comportait des erreurs.
the proceedings so far seems to made through issues, especially the issues that have an impact on my client, that is Mr. Kilson Paul. Il y a deux questions qui ont des incidences in particular, his right, as stated in the Constitution, that is the presumption of innocence. Notamment, la présomption d'innocence dont il jouit conformément aux dispositions many de la of the learned friends says that the servant's order plusieurs de mes was prejudicial, prejudice. On dit and why is that? Que l'ordonnance de disjonction le rapporte causé when un préjudice. We make a presumption that certain facts will be cherry-picked for trial. En effet, and some other facts si shall be packed to one side, and that et d'autres the non, presumption that the facts that pour had le picked procès for trial is also is already a sign of a presumption that the facts and the guilt of the accused before even on the trial started. De la culpabilité de mon client avant même le début du procès. So, the cherry-picking of certain facts donc, shall not be done. Il ne faut pas choisir as it seems to violate the constitution certains aspects on the principle of de clôture, the presumption of innocence. Car cela vient violer le droit constitutionnel de mon client, la présomption d'innocence. Because such a principle is not applicable before en effet, this chamber when certain facts are handpicked for trial. Lorsque l'on choisit à sa guise certains faits pour le procès, la présomption d'innocence n'existe plus. The second point is my client's right to have a fair j'aimerais soulever en deuxième lieu expeditious trial as expressed by my colleague. Comme l'a rappelé mon confrère. Whatever the trial options selected by the chamber, it will continue to violate my client's right. As Your Honours have noticed and as raised by my international colleague, des droits de mon client. My client participates almost fully in all the proceedings. Mon client participe à la and in other cases, he has to wait at the detention center due to the unavailability of the co-accused. Cas, il doit attendre au centre de détention. We can see that when other co-accused are unavailable, then my client has to be detained in the detention center and he cannot exercise his lorsqu'il right to fair trial. D'audience pour and that is a clear violation of his right. Doit attendre au centre de détention que le procès reprenne et c'est une violation de ses droits. Panyaha ni yeung aich pidit meul we can look at the proposals made by the trial chamber as to whether we shall reuse or remove part of the facts. Certaines options. And we only select some facts which are notamment representative as requested by the co-prosecutors, de certains chefs d'accusation et de ne retenir which que is quelques-uns the qui second représentatif. Option. And c'est as la deuxième option. Claimed by the co-prosecutors that is the best option so far. Les prétendent que c'est la meilleure solution. The application of either the first or the second option does not benefit my client in exercising his right. L'une ou l'autre des solutions proposées vont à l'encontre the reason is des that droits de mon client. It is not up to my client or the proceedings against him alone
But it is the proceedings against all the co-accused. Il s'agit d'une procédure à l'encontre de tous les accusés. If one approach is used for all the co-accused in this instance, that approach is not applicable for all the accused. Même si on choisit d'appliquer de manière générale une procédure à tous les accusés, elle ne convient pas nécessairement à chacun d'entre eux. On the one hand, says the application of the approach for my client may not be necessarily applicable et for the other co-accused. L'approche idéale so pour les interlocuteurs n'est peut-être pas pour celle des accused autres accusés. In its own en effet, way. Les circonstances if de chacun des accusés one approach sont or one principle différentes. One application of law for one accused, it might have an impact on the other co-accused. Une approche qui vaut pour l'un a des incidences sur les autres. And to respond to the questions put to us by the chamber, répondre aux questions que la chambre nous a posées. That is what I wish to say, as my international counterpart has said sufficiently, mon confrère but anyhow, I'd like to add some comments regarding the first question as raised by the co-prosecutors regarding the advanced age of the co-accused that requires expeditious trial proceedings. Laquelle se sont prononcés les procureurs, à savoir que l'âge avancé des accusés I am of the opinion crée un impératif that the advanced age is not the fault of je the co-accused, ce n'est pas la faute of des accusés client. Ni de mon client. S'ils sont âgés. The question is how come such proceedings have dragged on et so far? Pourquoi it means the trial started 38 years after cela crimes were allegedly committed. Is it the fault of the accused? Le procès a commencé 38 ans après les faits. Est-ce la faute des accusés? The first issue is actually the establishment of this very court to prosecute such crimes. Une question essentielle et second, entoure la création de ce tribunal. It is the strategy employed by the prosecution regarding the situations of each accused. L'accusation adopte une stratégie vis-à-vis des situations particulières des accusés. As I indicated at the outset, the co-prosecutors know very well about the advanced age and health issue of all the accused. Les procureurs connaissaient bien la situation de santé et l'âge des accusés. For that reason, they should have factored in all these issues et auraient before dû en tenir they make compte their presentations for the prosecution. Avant de présenter le dossier. And that is their own discretion and choice. C'est à leur choix. President interrupts. Le président. Counsel, that points were raised this morning. Maître. And what we need from you actually your responses to the questions put to ce you. Ce que nous cherchons à obtenir de vous, ce sont les réponses aux questions qui ont été posées. Of the effect of the decisions by the Supreme et que vous exprimiez sur les incidences de la décision de la Chambre de première instance, de la Chambre de la Cour suprême, annulant l'ordonnance de disjonction de la Chambre de première instance. In the decision of the Supreme Court chamber, they present two options. La Chambre de la Cour suprême offre deux solutions. One is the entire facts in case 002 so be tried. Des poursuites and the seront second engagées option sur la base du is l'acte to advise the trial chamber to reconsider severing facts in case 002. La chambre de première instance est invitée à considérer une disjonction des poursuites. Pursuant to internal rule 89 en application de la règle
89.10. And that is the instruction from ce sont the les instructions chamber, and of course we'd like to get precise responses nous from you. De votre part obtenir des réponses précises. Whether you would present to us appropriate methods or solutions to these two options presented to us by the Supreme Court Chamber, what would be the pro and con for the one whole trial of facts in case 002 Cour suprême et l'impact sur le dossier 002 severing of the facts? And of course, we did that in 002/01 proceeding. En particulier, and with the submissions to expand the scope in case 002/01, we acknowledge to accept one fact and rejected two facts dans by the co-prosecutors, which led to the appeal. Nous avons choisi to the Supreme Court Chamber, and of course, as a result, we are here today to discuss this very issue. Par les procureurs, et and voilà I sincerely hope that aujourd'hui. You will take this floor sincèrement que vous to make your points directly pour connected vous to what I just said, sur ce que je viens in de particular, vous rappeler, connected en particulier, and related directly to our memorandums. J'espère que vous vous exprimez so directement aux questions soulevées dans le all the complete picture from all the parties. Pour que la Chambre ait Counsel, thank you, Mr. President. Un portrait exhaustif des positions des parties. I am, yes, now responding to the questions raised Maître by the Chamber. En effet, je suis présentement en train de répondre aux questions It is rather convenient for us to respond yes or no. But of course we would like to present Il serait commode de répondre par a more fuller picture mais nous in our response to what has been raised by the co-prosecutors. Suite aux observations Allow me to l'accusation. Continue, Mr. President. J'aimerais donc continuer, Monsieur le Président. Mr. President, Your Honours, we, the accused and party defense, do not support La défense de Kieu Saint-Pon n'est favorable à aucune des options envisagées, which require the severance in this case, for example, the addition of facts which would violate my client's right. Au cas où that is the gist of my ajouté, submission, Mr. President. Les droits de mon client s'en trouveraient violés. Voilà mon And argument the essentiel. Point that I raised, that is the advanced age of the accused. J'ai évoqué le grand âge It is not the fault des accusés. Of the accused. Ce n'est pas de leur faute, ils sont âgés. It is the point that the prosecution was well familiar from the outset. Depuis le début, l'accusation If they were to think that savait. Because they are old, then they should think of the strategy for si an expedited proceeding les accusés sont âgés, by taking into account the fair trial process and right of all the accused. En conséquence, pour assurer le déroulement rapide du procès dans le respect des droits reconnus aux accusés. And it does not mean that we have to jump to only certain facts to be tried because On of the advanced age of the accused. That is improper, in my seul opinion. Motif que les accusés sont âgés. To respond to the fourth question, pour répondre à la quatrième question, and of course I will respond from question number four, as my international colleague already responded to question one to three. A déjà répondu aux questions 1 à 3. Je vais donc aborder la quatrième question. Acknowledge and accept
as 21 si la chambre as part of the trial, then we need additional time to prepare ourselves. Nous aurons besoin de plus de temps pour nous préparer. For the debate on that fact, as we need to conduct further research on this very topic, procéder à de nouvelles recherches à ce sujet. Now I'd like to jump to questions number 6, and question number 5 is excluded. À la question 6, car la question numéro 5 a été supprimée. In fact, witnesses have already been proposed. In particular, the witnesses are proposed by the co-prosecutors. In the case where the co-prosecutors would like to present additional documents and witnesses, so do the defense teams. Alors, les équipes de défense agiront de même. To review once again, all those related documents, witnesses and experts, and need to make a new submission. Et de réinterroger les témoins et experts en question. And to respond to the honor's question number 7. Je passe à la question 7. It is my opinion that the trial chamber, selon moi, indicates that it is likely or there is a possibility that there could be other smaller trials after the conclusion of 002/01. Après le premier procès du dossier 002. We can only respond to this question only in connection to questions number 9, as la what would be the impact abordée on en conjonction our client avec la and on question other confused. Qui porte sur les incidences de l'annulation de la disjonction des poursuites sur les accusés. Here I refer to a fair and expeditious trial, notamment le droit à un procès équitable et rapide. As I indicated from the beginning, my client's presence to follow the proceedings is almost permanent. Mon client and of course he lost his opportunity when other co-accused is not available during the trial proceeding. Accusé, mon client and of course he does not. On a subi he un has préjudice. Not waived his direct presence to participate in the proceeding. Il n'a and jamais as a result à son of droit the unavailability of other co-accused, mais suite à l'absence my client has to des wait. Accusés, mon and he has to wait not at his house, attendre. But at the detention facility. Non pas chez lui, and that is a clear violation of his right. De détention, ce qui emporte violation de ses droits. If the trial chamber reviews once again the proceedings in case 002/01, and if this standard si keeps going on for 002/03, then my client's right, is continued to be violated. La violation des droits de mon client the continuera. Trial chamber is competent to la chambre provide de assurance instance, to other parties that in the likely event there shall be no case 002/02 and 03 and so on and so forth. Prendre des dispositions pour les cas où il n'y aurait pas de deuxième et troisième procès dans however, le dossier 002. However, this has to be in agreement with the co-prosecutors that they will not seek cela étant, il faut another que trial segment in case 002/03 against my client. Dans le dossier 002, as à savoir the continued detention of my client procès, in this instance le has violated his right. De mon client constitue une violation so de the ses droits. Postponement of the proceedings
of course, has an impact on my client's time. Le report as he should have been de la procédure with his family. Of course, based on the principle, my client is not guilty as charged. Sa famille. And he is not guilty for any alleged crimes d'innocence. By the co-prosecutors. Il est réputé innocent des allégations avancées par l'accusation. Once again, I'd like to recap my main point. En résumé. And as raised by my international counterpart, comme l'a indiqué mon confrère, we seek the release of my client, Mr. Kyosung Paul, that is to release on bail. Il devrait être placé sous contrôle judiciaire. President, Council, it seems that you wander far away from the focus point vous écartez in this proceeding. De l'objet if you have other points to raise, please do it si vous avez in d'autres points your à soulever, written submission. Vous êtes prié de le faire par the écrit. Agenda has been clearly stated l'ordre du jour a été in fixé both clairement the memorandum of understanding dans le mémorandum de la chambre. And at the beginning of the opening of this proceeding on the morning of the 18th lundi February matin, 2013. Le 18 février. And this morning, once again, I reminded all the parties ce matin, of what j'ai une fois needs de plus to be discussed during today's proceeding. Please stick to veuillez the instructions, vous en tenir aux instructions set out by the trial par la chamber. Chambre. And if you have any other issues, si vous souhaitez aborder please d'autres points, do your vous submission êtes prié in writing, de le faire par écrit. So that it does not confuse people and et have ce, pour éviter an toute impact confusion on the current proceeding before us. You need to consult all the instructions je vous that donc we raised aux instructions in our déjà données memorandum. Par la chambre dans son mémorandum. And the sole purpose of that memorandum is to get all the opinions, submissions, comme indiqué, and observations il s'agissait de by recueillir all the parties in le this point de case de toutes les parties, so that we can reissue our decision and not to delay the proceedings against your client. Prendre sa décision en connaissance de cause sans retarder this is another reminder to you procès. So that you only respond to the very issues raised for today's proceeding. Aux questions qui vous sont posées dans le cadre de cette audience. Counsel, thank you, Mr. President. Of course, merci, what I raised is the violations and the j'ai impact on my client's right that is in response to your question number 9. Actuelle sur les droits de mon client. C'était you, en réponse à la question 9. I understand 9, that, counsel, but you also je made comprends bien, a maître, submission which is out en of the question for today's proceeding. Des éléments qui please ne do relèvent not pas so de l'objet de cette audience. Counsel, my apologies. Mes excuses. Of course, we have a submission to make, and nous of course, that is the strategy we use to defend our client. Notre stratégie President de défense interrupts. De notre client, I understand le président. You're right. Je comprends bien. However, for the proceeding before us, toutefois, we determine the agenda and the points to be raised during l'ordre the proceeding. Du jour de l'audience and please a été use the time fixé appropriately as instructed. Ne gaspillez pas de temps. Counsel, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. What I have raised so far is the impact on j'ai my client, and of course we will make our submission in due course. Et nous allons, en temps opportun, déposer nos observations. To summarize my point, en résumé, that is regarding the impact on pour my ce qui client, est de l'incidence sur mon client, I raised two points. That il y a is deux one choses. The violations d'une of the principle of la violation the presumption of innocence as stated in the Constitution, and the second point is the violations to the principle of a fair and expeditious trial. La violation du droit à un procès équitable et rapide. My client's rights in these two core themes
were not dans les deux cas, by your severance order, your les honor. Droits de mon client ont été and violés I par suite de l'ordonnance de disjonction. Je vous invite à réexaminer ces différents principes. President, thank you, counsel. However, you have Merci, not responded maître. To some questions. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions. In questions number 6, we put a question to other parties à that in relation 6, to an extension of the scope of case 002/01, concernant tout élargissement de la portée du premier procès dans le dossier 002 faisant encore l'objet d'une demande. That is the inclusion of S21 and the grave breaches l'ajout de S21 of the Geneva Convention et des violations des conventions de Genève related to Security Center S21. En rapport avec S21, we ask all the parties to indicate how many documents, witnesses and experts témoins, experts that you et parties civiles may wish to add. Requis. As we said this morning, this is one of the elements that the chamber will use in order to consider the request for extension of scope by the co-prosecutors. La demande d'élargissement de la portée du premier Can procès you kindly respond to this question? Vous êtes donc prié de répondre à in cette fact, question. It has been put to other parties long before the trial started. Cette question Counsel, était soumise yes, Your Honor, à toutes les parties we bien avant cannot le début indicate du procès. The exact la times. Défense. Nous ne pouvons pas It depends donner on the submissions of the de list périodes particulières. Of documents or witnesses Ça dépendra des listes de documents by the co-prosecutors. By then, we will be in a position to respond. Après cela, nous serons en mesure de répondre. President, thank you. Le Président, merci. In the decision by the Supreme Court Chamber dated 8 February 2013, de la Cour suprême en date du 8 février 2013, which gives us two options. One deux is options sont proposées. Whether we the trial chamber, shall conduct a one full trial for all the facts in case 002, or second option, alternatively, to option reconsider the severance order based on the spirit of Internal Rule 89 compte tenu des dispositions de la règle 89. And I'd like to get your clear position J'aimerais on that. Que vous indiquiez votre point de vue à ce sujet. So that we can prepare or we all will be in a better position to look at Ainsi, the remaining facts besides the one included in case 002/01. Meilleure position pour examiner If I am not mistaken, neither you nor your international counsel has responded Il me to this question, question. Or whether you believe that these two options vous are not applicable, pas dit si please clarify your ces position. Étaient envisageables. Veuillez préciser. Counsel, thank you, Mr. President. La défense. In fact, Merci. If we look at the impact on the right of my client, pour ce qui est de the expeditiousness de of the proceeding sur le droit de mon client, du cannot point de be guaranteed. De la célérité de la procédure, une telle célérité ne the peut être best choice garantie is to sever my client le mieux consiste from à ordonner the trial, la disjonction from the joint criminal enterprise principle. De mon client. If le disjoignant look at the overall des chefs d'accusation d'entreprise criminelle proceedings for the entire case, si l'on prend l'ensemble du dossier, my client does not object to the overall proceedings. However, if mon client n'a pas d'objection concernant l'ensemble there is du dossier, an inclusion or extension of scope in this case or si in the possible case 002/02 or 03, ou celle du deuxième et troisième procès. Definitely have an impact on my client's right. Cela aura immanquablement des incidences sur les droits de mon client. Thank you. Le président. I hand over to Judge Lavergne. Merci. You Je may vais proceed. Donner la parole au juge Lavergne.
Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurai des demandes de clarification. J'espère qu'elles seront brèves. Nous avons entendu la défense de Kyo-Sampan évoquer une possible demande de mise en liberté de leur client. Nous avons cru comprendre que cette demande de mise en liberté serait déposée à un stade ultérieur. Elle n'est pas faite aujourd'hui à cette audience. Nous avons entendu également qu'il était question d'une demande de disjonction concernant l'accusé que s'entend personnellement par rapport aux autres accusés. Doit-on comprendre que cette demande est faite dès à présent, are we to understand that such a request is officially being submitted today at these hearings, or at a future stage when your request for provisional release or release on bail will be made, or at the time when the fitness to stand trial will be assessed by the medical experts? Bon, écoutez, pour répondre à votre dernière question, to answer your last question, Your Honor. Nous avons fait en sorte d'imaginer toutes les possibilités qui s'offraient à votre chambre pour répondre à la situation qui se présente. Est-ce qu'il est nécessaire pour nous de formaliser une demande de disjonction de manière plus peut-être motivée, c'est un peu à votre chambre de nous le dire. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, nous sommes là pour évoquer les conséquences de la décision de la Cour suprême sur ce procès. Il faut bien que vous ayez aussi à l'esprit qu'il est très difficile pour nous, et c'est pour ça que je me suis permis d'en parler, de conseiller M. Kyo-Sampan, alors que pendant un temps très long, plusieurs mois, jusqu'à quasiment aujourd'hui, nous n'avons pas, ou en tout cas jusqu'à ce que vous fermiez définitivement le champ or at least up until the moment you will have definitively defined globale, the confines of the scope. We have no overall ce pourquoi M. Kyo-Sampan était jugé et comment il le serait. Et avec la décision de la Cour suprême, nous sommes encore dans une situation qui renouvelle cette difficulté, puisque cette décision remet les compteurs à zéro et vous amène à statuer à nouveau sur cette question. Alors, c'est un peu difficile pour nous d'évaluer les avantages et les inconvénients quand on ne sait pas exactement de quoi on parle. Simplement, le vrai point qui compte, c'est que pour nous, l'idée pour laquelle, la raison pour laquelle nous vous avons fait cette proposition, et je l'ai évoqué en ayant soin de dire que ce n'était pas quelque chose que nous avions préparé longuement encore pour l'instant, mais c'est pour vous dire à quel point nous ressentons et à quel point M. Kyo-Sampan éprouve cette nécessité de justice, c'est qu'il envisage même la possibilité de vous dire si c'est pour attendre en maison d'arrêt et même dehors que l'état de santé des uns et des autres s'améliore pour leur permettre soit d'être en audience, soit d'être en salle du niveau inférieur vidéo, pourquoi pas. Et c'est un pari qu'il prend, parce que c'est vrai que c'est une décision qui est lourde. Pourquoi pas le juger à ce moment-là, seul, si les difficultés sont telles. Voilà. Pour l'instant, monsieur le juge, c'est une proposition que nous avons faite, en quelque sorte, pour vous montrer à quel point c'est une situation qui, pour nous, présente un caractère d'urgence et constitue une difficulté. Si, et votre question m'amène à le penser, peut-être, si vous estimez que nous devrions formaliser cette demande
believe that such a request must be submitted in a formalized manner, l'affirmation que je pose, qui à mon sens, sous le contrôle de M. Thieu-Sampan, est avérée, soit confirmée par les médecins sur son état de santé. To voilà. have the doctors ensuite, make an assessment of his en fonction des rapports qui seront déposés, votre mémorandum d'hier évoque un examen par les médecins à la mi-mars. Je ne sais pas si les rapports seront déposés immédiatement. Il y a un certain nombre de points d'interrogation qui se posent, mais je voulais dès aujourd'hui, nous voulions, mon frère et moi, dès aujourd'hui, vous dire que c'est même là une possibilité que nous avons envisagée. Stating that this is certainly a possibility that we envisage. The President, thank you. Le Président. Merci. Now, I hand over to the présent, co-prosecutors and the legal lawyer for the civil parties reply to the various submissions and observations by the three defense teams. Des trois équipes de you défense. May proceed. Thank you, Mr. President. Good afternoon to everybody. There has been a lot said by the three defense teams since this morning. Some of it, I would say, rather new and surprising. But let me start by trying to distill a little their positions, strip away some of the rhetoric, and mettons de côté la rhétorique, see where we are in terms of there being a de la défense, number of issues et voyons on which the parties leur position actually agree différents points and where the parties les parties disagree. Sont d'accord ou en désaccord. Starting with where the parties all seem to agree, tout d'abord, les points de convergence one apparent. Issue on which we agree is that the trial chamber should not simply return instance, to the terms of the original severance art order. De the prosecution, the civil parties, and all three la defense civil, teams les trois have expressed de défense that position. Sont d'accord là-dessus. It would also appear that the parties aussi, are in agreement les parties that the chamber should proceed on the basis that there will be one trial. Poursuivre I say this sur la base because the Nunchea pluralité de procès. And Ying Siri teams have both requested that you do not do any severance ont sollicité que la chambre ne prononce aucune and while the Thieu-Sampan's team position is la position de la défense a little de fuzzy at times, est parfois un peu floue, they have stated mais that they do not favor a fait savoir any severance. Qu'elle n'était pas favorable à une disjonction. So there seems to be a consensus among il y a donc the parties consensus parmi les différentes that parties we should proceed at pour this time qu'à ce on the basis of there being one trial partir du principe rather than a series qu'il of trials. Y aura un procès plutôt qu'une série the parties de procès. Agree or at least do not dispute les parties the principle ne contestent that this pas one trial needs to be more ce seul procès devra être plus représentatif. I add as a caveat to this that the Ying Siri team, Mr. Carnivas, que Maître Carnivas has made an argument to the effect that the trial chamber may just ignore the Supreme Court chamber's decision. Que la chambre de première instance but as I will address a little later, we do not view this j'y as an argument that you can seriously que cet consider. Ne saurait être sérieusement and envisagé. Ultimately, Mr. Carnivas suggests, and I'm paraphrasing, Carnivas, that the trial chamber si should look to the prosecution à la chambre or the plan de on se tourner how vers l'accusation pour déterminer the disagreement between the parties seems to boil down on what should be included in this one trial and on how long, and therefore on how long the trial should be. Sur la durée du procès. So I will now
focus on some of the specific issues that have been raised by each of the teams, particularly in regards to this last point, surtout par rapport au dernier point, what should be included à savoir les in éléments the trial, à inclure which is really dans the most important task that lies with c'est this chamber. La principale tâche auquel fait face la chambre de première instance. Starting with the position of the Nunchea team expressed today. La défense de Nunchea telle qu'elle a été exposée aujourd'hui. And I must say, it was with some surprise that I heard them when I heard them stand and say state their position now. That case 002 should not be severed comme quoi at all. Il ne faudrait aucune disjonction du dossier 002. This could be called the mother of all flip-flops. On pourrait qualifier ça it was not long ago that the Nunchea defense team il n'y a pas si longtemps, made the following statement after the court's severance avait order. Dit autre chose it called it, après quote, ordonnance de disjonction. Without Elle avait a doubt, dit ceci, the most sans sensible aucun doute, decision to emerge from la the ECC. Sensée end qui n'ait jamais quote. Été rendue au CETC. Fin citation. That position remained in effect as of cette position when it was brought up est last restée August, en l'état lorsqu'elle a été soulevée au mois d'août dernier, et la défense s'est opposée à notre appel. Or, changed à présent, their view. Elle a changé d'avis. Indeed, so has the Ying Sari team changed its que view la défense in de asking Ying now Sari, that this court try all demande the issues que soit jugé l'ensemble des faits du dossier 002. And the counsel himself said he felt rather strange standing up and making this argument. I would concur with that. Je suis d'accord. But I think it is not too difficult to figure out why the defense teams are now taking the position that this chamber should try all of case 002 and not proceed based on the severance that is proposed by our office. One can assume that they have read the Supreme Court Chamber's decision and understand that there has to be some representativeness in this trial, and therefore it would be difficult for them to stand and argue that we should only proceed with force movement. With that option having been taken away from them and facing a request from us to add S21, perhaps they consider their next best option to create as much chaos as they can, as much delay as they can, and to request a trial that may very well and probably would not be able to be completed while their clients remain fit. Ne puisse arriver à son terme alors que leurs clients sont toujours aptes à être jugés. That is at least our observations on this rather surprising voilà flip-flop in the defense positions that we have witnessed here today. In regards to some of the arguments that were made by Nunchea's counsel as to the problem of a severed trial, he raises the argument that a limited scope trial prevents them from mounting their defense. We dispute this very much. It is not in any way supported by the record of the proceedings to date. This is the defense team, I would remind everyone, that regularly asks witnesses questions relating to events that occurred after 1979. They have not in any form or fashion been limited from questioning witnesses about matters that had any potential of being relevant to case 002. Poser des questions aux témoins qui avaient une pertinence quelconque pour le dossier 002. The argument is made that there was confusion on their part, that they
did not know how to proceed questioning witnesses because of the severance. And this is an argument that has been pulled out every now and then by the defense teams. And for that reason, I would like to go back just for a moment and to remind everyone of what this court said at the time the severance order was initially made. Avait indiqué lors de la lorsqu'elle a rendu first, son ordonnance de disjonction. And I'm referring here to document document E124/7, which was the 18 October 2011 decision of this court on our motion for reconsideration of the severance order. Donc, décision de la chambre and in paragraph 10, sur notre requête the chamber de indicated that its severance order was motivated by, and it listed a number of items. One of those was, quote, to ensure that the first trial encompasses a thorough examination of the fundamental issues and allegations against all accused, to provide a foundation for a more detailed examination of the remaining charges and factual allegations against the accused in later trials, and later on to, quote, ensure as far as possible that the issues examined in the first trial provide a basis for the consideration of the mode of liability of joint criminal enterprise by including all accused. Et pour ce faire, the trial chamber then accusés. Stated in the immediate following paragraph, 10, paragraph 11, paragraph quote, suivant, 11, it follows that the chamber during the early trial segments will give consideration to the roles and responsibilities of the accused in relation to all the president. Prosecutor, please be reminded that you should slow down a bit. I have signaled you several times, but you did not pay attention. My apologies, Mr. President. Referring to paragraph 11, let me start again with the quote. Quote, je cite. It follows that the chamber during the early trial segments will give consideration to the roles and responsibilities of the accused in relation to all policies relevant to the entire indictment. End of quote. On that same date, le jour même, the trial chamber issued another order regarding the scheduling of the start of trial. Une ordonnance sur le calendrier des audiences. And this is document E131. And in that order, dans cette ordonnance the chamber portant calendrier, made the following statement la chambre to all parties. Ce qui suit. Quote, as explained in the chamber's decision of 18 October 2011, E124/7, that was the decision that I just quoted from the reconsideration decision. La décision sur as la explained in that decision, quote, the accused donc, comme expliqué dans la décision must de la chambre, confront les accusés all allegations contained in the indictment in case 002. And while the chamber's severance order of 22 September 2011 separates proceedings into a series of smaller trials, it is envisioned that the first trial will provide a general foundation for all the charges, including those which will be examined général, in later examen de trials. End of quote. I go back to these statements to remind everyone as to why the trial proceeded in the fashion that it did. Chambre a procédé de la manière as Mr. Coppi complained that it took a long time to deal with these issues pourquoi cela and that this was a surprise to them.
In et fact, lorsque le conseil dit que everyone, everyone knew that this first trial would proceed in a manner where we would start by building the foundation for all trials. Nous allions poser les fondements pour les there was autres a, trial, procès. A meeting of all parties with the senior legal officer il y a une réunion des parties where it was avec made clear place, that it would be expected that this phase would require at least a year. Cette phase prendrait au moins un an. C'était du moins ce and so it is unfair to walk into court now il est donc and to complain that they were confused de venir se about how to question witnesses. All parties have understood in proceeding here that the witnesses that are being examined on what we call these foundation issues, the policies, how the regime functioned, what the roles of the accused were, and what authority different people and different organizations had, that these were issues that would be used for all case 2 crimes. Because of that, pour tous les procès du dossier 002. Because of that, we are in position now to add additional crimes. Et c'est pourquoi we are in position to proceed without the nightmare scenarios that the defense now tried to bring to your door. Que se réalise ce cas de figure cauchemardesque évoqué par la défense. We have always been proceeding on the understanding that the evidence being used in this case nous applies to all crimes on which the accused que are charged. Les interrogatoires menés what we submit must happen now is this chamber jour, must decide l'ensemble des accusations what additional crimes will be added to this trial. Il reste à savoir that will not prejudice anyone. Si et lesquels crimes peuvent être ajoutés au champ de portée, cela ne causera aucun préjudice. The President. À la défense. Thank you, Mr. Prosecutor. But the time merci is now appropriate for the afternoon pause. Adjournment. The chamber will adjourn now until 3 o'clock.